Ben ça fait un petit moment que je suis pas allé voir Platéosaurus, moi. Darwin. Filet ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Malgré nos différends, je dois te prévenir. Mon maître s'apprête à faire quelque chose de dangereux au Crétacé. Malgré ma trahison, je... fais attention. Merci, Filet, pour ces avertissements. Bon, il semblerait que je doive me rendre sur place. C'est peut-être un piège, mais ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur Tyrannosaurus Rex. Ah, elle est là. J'espère que cette fois-ci, elle ne me lâchera pas au moment d'aller voir Tyrannosaurus. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la découverte de Tyrannosaurus, le plus grand prédateur de l'Amérique du Nord, de la fin du Crétacé. Tyrannosaurus Rex est un animal qui mesure 13 mètres de long et pouvait peser jusqu'à 10 tonnes. L'animal appartient à la famille des dinosaures théropodes, comme le suggèrent les trois doigts qui se trouvent au bout de ses pattes arrière, sur lesquelles il se déplace. C'est un dinosaure qui est extrêmement connu dans le monde entier pour être le roi des dinosaures. Et cet animal, eh bien, avec sa mâchoire munie de dents de la taille d'une banane, il était très facilement capable de s'en prendre à tous les dinosaures herbivores de son environnement, comme Triceratops, Edmontosaurus et même le gigantesque Alamosaurus. Ce qui est marquant chez Tyrannosaurus, et ce qui fait de lui un dinosaure extrêmement connu, c'est principalement la puissance de sa mâchoire. On estime la morsure d'un Tyrannosaurus Rex à 5,5 tonnes par centimètre carré. C'est simple, c'est équivalent au fait de se faire piétiner par un troupeau entier d'éléphants d'Afrique. Vous l'aurez compris, c'est cette mâchoire qui fait de lui un grand prédateur. Tyrannosaurus Rex vivait donc au bord de la mer intérieure qui se trouvait en Amérique du Nord à la fin du Crétacé. Au bord de cette mer, on retrouve des environnements de plaines ouvertes et de forêts tropicales parcourues par des vastes cours d'eau. C'est dans cet environnement que Tyrannosaurus Rex va devenir le super prédateur de la région. Nous retrouvons des traces au niveau des crânes de Tyrannosaurus Rex puisque ces animaux se mordaient le nez entre eux afin de communiquer ou d'asseoir sa domination sur d'autres membres de la même espèce. On retrouve ces traces sur les os du crâne, c'est-à-dire que les dents se sont enfoncées si profondément dans la chair du visage que les os se sont retrouvés avec des profondes entailles. Et bien ces entailles, on les retrouve chez 50% des spécimens de T-Rex. Ça veut dire que ce comportement était très répandu chez les tyrannosaures et donc qu'ils devaient avoir des contacts les uns avec les autres très fréquemment, ce qui irait dans le sens de la théorie du groupe. L'intelligence du Tyrannosaurus Rex, elle a été étudiée par les scientifiques. Il faut savoir que le Tyrannosaurus Rex a un cerveau relativement grand et un nombre de neurones similaire à celui d'un primate. Mais attention, il y a un facteur qu'il faut prendre en compte quand on étudie l'intelligence des animaux, et ce facteur, c'est la taille qui est déterminante dans le cas de Tyrannosaurus Rex. Il est si gigantesque que même si son nombre de neurones peut être comparé à celui du chimpanzé, son intelligence était probablement bien en dessous. Mais au fait, Tyrannosaurus Rex, ça veut dire quoi ? Eh bien en fait, Tyrannosaurus Rex, c'est un dérivé du latin et du grec, donc du grec pour Tyrannos et Sauros, qui signifient respectivement tyran et lézard, et Rex, qui signifie roi. Ça veut donc dire roi des lézards tyrans. Mais il faut s'attarder sur ce nom, parce que Tyrannosaurus Rex, vous le connaissez sous d'autres noms. T-Rex, Tyrannosaurus, ou bien juste Tyrannosaure. Eh bien en fait, tous ces mots-là désignent le même animal, puisque Tyrannosaurus Rex désigne une espèce qui appartient au genre Tyrannosaurus, et ça tombe bien parce que dans le genre Tyrannosaurus, il n'y a qu'une seule espèce, Tyrannosaurus Rex. Contrairement à d'autres genres, comme par exemple pour les ours, le genre Ursus, qui reprend plusieurs espèces d'ours. Tyrannosaurus Rex, il est découvert en 1902 dans le Montana par Barnum Brown. Et à l'époque, eh bien il est incomparable, il ne peut pas être comparé avec d'autres dinosaures qui ont été découverts, et il est tellement gigantesque qu'il suscite un énorme engouement auprès du grand public. Les gens vont beaucoup s'intéresser à lui, et c'est pour ça que Tyrannosaurus Rex va marquer l'histoire. Aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le plus grand de tous les dinosaures carnivores, bien qu'il l'ait été pendant très longtemps, puisque Spinosaurus sera découvert 10 ans plus tard, en 1912,
et que dans les années 90 sera découvert Giganotosaurus en Amérique du Sud. Cela dit, Tyrannosaurus rex a tout de même conservé l'un des records, celui du prédateur terrestre le plus lourd à avoir existé sur Terre. Grâce à Filet, nous savons maintenant où se trouve notre rival. Il est temps d'y aller. Bon, j'espère que ce qui se passe au Crétacé n'est pas trop grave. Cela dit, avec l'état dans lequel j'ai laissé la base de notre ennemi la dernière fois, je pense qu'il sera seul. Allons. Nous voici arrivés au Crétacé. Et comme Filet l'avait annoncé, il semblerait qu'il y ait un autre voyageur temporel. Bon. J'entends une rivière non loin d'ici, mais aussi des troupeaux de dinosaures herbivores. Nous allons devoir trouver Tyrannosaurus rex. Allez, suivez-moi, on y va. Regardez, des empreintes de pas. À en juger par leur taille et par leur forme, elles ont dû être laissées par Tyrannosaurus rex. Il doit se balader dans le secteur. Allons-y. Je piste Tyrannosaurus rex depuis que j'ai trouvé son empreinte au bord de la rivière. Regardez, on l'a trouvé. C'est lui le plus grand prédateur de la toute fin du Crétacé. Dans cet environnement, il peut s'en prendre à tous les autres dinosaures, ou presque. J'ai réussi à m'approcher du Tyrannosaurus rex. Il n'avait pas l'air très attentif, il doit être distrait par quelque chose. Bon, vous voyez ses jambes? Elles sont taillées principalement pour la marche. Tyrannosaurus rex, c'est pas un dinosaure qui devait être capable de courir ni très vite, ni très longtemps, voire même pas capable de courir du tout en fait. Cela dit, ça reste quand même un prédateur tenace qui devait poursuivre ses proies et tendre des embuscades redoutables. Une des raisons pour lesquelles on se moque beaucoup de Tyrannosaurus rex, c'est à cause de ses membres antérieurs très courts. On a beaucoup réfléchi sur l'utilité qu'il pouvait avoir. Au début, on a supposé que ça servait à son équilibre, c'est-à-dire à se tenir debout. Puis on a complètement changé d'avis, et à l'heure actuelle, on ne leur trouve pas d'utilité. Et une des justifications scientifiques à ça, elle est toute simple, c'est que les membres antérieurs de Tyrannosaurus rex, ses bras donc, ne peuvent rien faire qu'ils ne pourraient pas mieux faire en étant plus grands. Et donc il paraît logique que les bras n'aient pas d'utilité. C'est aussi ce qui explique la régression des membres antérieurs chez les dinosaures à mesure que la mâchoire devient plus puissante, pour limiter les risques d'arrachement des membres antérieurs. Vous devez sûrement vous demander comment Tyrannosaurus rex tuait ses proies. C'est vrai qu'avec ses petits bras et son corps qui n'est pas taillé pour la course, ça peut nous sembler difficile. Mais Tyrannosaurus rex, c'est un prédateur qui est taillé pour l'embuscade et la poursuite. On le pense suffisamment intelligent pour se cacher dans l'environnement et tendre des pièges à ses proies. Mais on peut aussi envisager autre chose, c'est que tout simplement Tyrannosaurus rex suivait ses proies avec acharnement jusqu'à ce que ces dernières soient trop épuisées pour prendre la fuite. Le comportement de Tyrannosaurus rex avait l'air bizarrement altéré. Je pense qu'il va falloir remonter à l'origine de ces perturbations. C'est par là, allons-y. Oh, mais qui voilà ? Voici mon dernier acte d'Arwin. Le T-Rex d'or attirera le roi des dinosaures ici même, et aujourd'hui, il sera ton juge. Si tu fais ça, on va tous les deux se faire mettre en pièces. Tyrannosaurus rex ne fera pas la différence entre toi et moi. Ton rôle est fini, Darwin. Je suis prêt à tout sacrifier pour te voir tomber. Ça suffit! Je ne peux pas te laisser faire ça. Tu as causé bien trop de dégâts comme ça. Ta route s'arrête là, sorcier. La vengeance ne vaut pas le coup d'aller aussi loin. Traître, tu ne m'arrêteras pas si près du but. Darwin, tu me revaudras ça. Lâche-moi, Filet. Bon. Malgré nos différends, j'ai bien l'impression que Filet ait sauvé la situation. Tu crois avoir gagné Darwin, mais je sais que sa vision est basée sur le mouvement. La vision de Tyrannosaurus rex n'était pas basée sur le mouvement. Ça veut dire qu'ils vont y rester. Il faut qu'on se tire. Ah,
à mon fidèle filet. Malgré nos désaccords, tu as su te sacrifier pour moi au moment où c'était nécessaire. J'espère quand même que tu t'en es tiré. Merci, filet. Tyrannosaurus Rex est connu pour être l'un des monstres les plus mythiques de l'histoire de la Terre. Ce grand prédateur a façonné l'imaginaire de toute une génération et de tous les fans de dinosaures. Imaginez un peu Jurassic Park sans le T-Rex. Le film en serait totalement bouleversé et totalement changé. Eh bien, Tyrannosaurus Rex, il a marqué l'histoire et il a permis à de nombreux enfants de se lancer et de s'intéresser à la paléontologie. Pour ceux d'entre vous qui sont vraiment fascinés par Tyrannosaurus Rex, vous pouvez le retrouver dans le numéro de Dinopédia Découverte qui lui est dédié. Dans ce numéro, vous retrouverez différentes représentations de l'animal et aussi les informations les plus récentes sur lui. Merci à tous ceux qui ont suivi cette saison 1 de mes aventures. On se retrouve normalement fin janvier pour le premier épisode de la saison 2 des aventures de Darwin Junior. A bientôt et merci d'avoir regardé.